Excellence, je vous remercie de me recevoir ici à l'ambassade de France à Berlin. Vous allez bientôt quitter Berlin pour devenir l'ambassadeur de France en Chine. C'est l'occasion pour nous de porter un regard rétrospectif sur les années que vous avez passées à représenter la France en Allemagne. Quel bilan faites-vous-même de ces 3 années? Zuerst einmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, dass Sie also zu mir gekommen sind, um also über diese Zeit, die ich in Deutschland verbracht habe, noch weiter zu erörtern und vielleicht, wie Sie sagen, eine Bilanz zu ziehen, ob man eine Bilanz ziehen darf, so in der Beziehung, die man mit einem Land wie Deutschland gepflegt hat. Das ist ja kompliziert zu sagen. Was ich mich also sehr beeindruckt hat während dieser 3 Jahre, ich bin sehr viel gereist über das ganze Land. Zum Beispiel 2013 habe ich 80 Reisen unternommen, also in dem ganzen Land vom Norden, also von Papenburg bis nach Passau, von Sassnitz bis nach Lörrach. Also das bedeutet, dass ich also Deutschland in all seinen Facetten also zu entdecken versuchte. Aber das bedeutet nicht nur Landschaften, die mich also immer sehr, sehr gereizt haben, das bedeutet auch Leute. Und was mich sehr, sehr beeindruckt hat, geprägt hat, ist die Vielfalt Deutschlands, überall, wo ich immer auch gewesen bin. Die Leute, man kann nicht also die Badener mit den Holsteinern also vergleichen. Das sind Deutsche, das sind unterschiedliche Deutsche. Aber die Art und Weise, wenn man den Leuten entgegenkommt, die Art und Weise, wie man auf geschlossener Weise empfangen wird, das ist das Gleiche. Also immer hat es sich gelohnt, war es dankbar, wenn ich also Deutsche treffen durfte. Also was ich als Bilanz ziehen möchte, wäre erst einmal, dass wir also mit dieser Beziehung zu Deutschland zuversichtlich sein müssen. Wir tragen eine große Verantwortung und das konnten wir 2013 mit dem Jubiläumsjahr der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages zelebrieren. Dieses Jahr gedenken wir des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Also ganz unterschiedliche Mannmale, würde ich sagen. Aber die zeigen, wie tief wir Netzwerke an Menschen zwischen Franzosen und Deutschen geschafft haben innerhalb der 50 letzten Jahre. Das ist nicht von ungefähr also zustande gekommen. Das beruht auf dieser Gemeinsamkeit an Werten, an politischen Werten, die wir Franzosen und Deutsche seit der Revolution, seit der Aufklärung also gemeinsam gepflegt haben. Und auf diesem Sockel, nach dieser gräuelhaften Entzweiung wegen Nationalismus zwischen uns Franzosen und Deutschen, also zwischen 1850, sagen wir, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges, wo wir diese 3 fürchterliche Kriege zu führen hatten zwischen uns Franzosen und Deutschen, die zu Weltkriegen wurden. Aber nach dieser Zeit, dann hatten wir diesen Sockel an Werten zwischen Franzosen und Deutschen. Und das ist unser Schatz, ein gemeinsamer Schatz, den wir also pflegen müssen. Das sind Werte, auf die sich Europa aufgebaut hat, also Deutschland und Frankreich, das ist eine Beziehung im Dienste Europas, im Dienste der anderen Partner. Und das gehört auch zu der Bilanz, die ich ziehe. Also unsere Beziehung ist kein Selbstzweck, die ist nur lebendig, wenn sie im Dienste der anderen gesetzt wird. Also diese Bilanz, Zuversicht für die Zukunft, dieses menschliche Netzwerk, unsere Werte und dass wir also gemeinsam alles machen können. Wir sind die kritische Masse, wir haben eine treibende Kraft. Nur brauchen wir also daran zu glauben. Und das ist die große Herausforderung. Avez-vous pu réaliser vos projets? Mes projets, c'était d'abord d'être celui qui permet d'aider à comprendre ce qui se passe chez l'autre. Aider à Paris de comprendre ce qui se passe chez les Allemands. D'aider en Allemagne à comprendre ce qui se passe en France chez les Français. Ça, c'est le défi quotidien. Ce défi, je l'ai mené avec mes équipes, car je me suis reposé ici, dans l'ambassade, sur des équipes extrêmement compétentes, que ce soit des équipes qui faisaient le travail politique, le travail économique, le travail culturel. Et donc, constamment, il faut aller au-devant des autres. Est-ce que j'ai réalisé ce que je voulais? En partie. On peut toujours faire plus. Je voulais voir le maximum de gens, passer le maximum de messages. Ce que j'ai réussi, c'est que je pense que
J'ai eu le meilleur accueil de la part de tous ceux que j'ai rencontrés. J'aurais pu sans doute encore faire plus. Mon successeur prendra la suite. Il le fera très bien aussi. Vous avez rencontré de nombreux acteurs de la coopération franco-allemande. Quels événements ou manifestations vous ont particulièrement ému ? Il est évident que l'événement qui m'a le plus touché et qui a touché tous ceux qui l'ont vécu, c'est au Reichstag, sous la coupole du Reichstag, les deux parlements français et allemands, les deux gouvernements français et allemands ensemble, les présidents des groupes parlementaires qui se sont exprimés pour dire au nom de leur parti comment ils vivaient cet événement du 50e anniversaire et de la signature, c'était un moment de grande émotion. Je crois que l'émotion fait partie de la relation franco-allemande. Si nous n'avons pas d'émotion, nous sommes neutres et on ne peut pas être neutre dans la relation franco-allemande. Donc ça a été un événement majeur. J'ai rencontré beaucoup de partenaires à tous les niveaux, et je dois dire que les partenaires culturels sont pour moi des partenaires essentiels. La relation franco-allemande, elle repose sur une affinité culturelle entre nous. Et c'est là où les éditeurs, et je rends hommage au Klett Verlag, les éditeurs jouent un rôle absolument central. L'engagement des éditeurs dans le travail quotidien, dans les écoles, dans les programmes scolaires, dans les événements exceptionnels, je pense en particulier à cet événement que j'ai vécu 4 fois de suite, qui est le prix des lycéens, soutenu par le Klett Verlag. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, d'exemplaire, que je voudrais étendre dans mon propre pays un jour, avec d'autres bases ou d'autres fonctionnements peut-être. Mais je crois qu'il faut appuyer, soutenir cette relation culturelle, parce que la compréhension de l'autre, elle vient par la langue et par la culture. Depuis votre arrivée à Berlin le 4 mars 2011, votre vision de l'Allemagne a-t-elle changé ? Oui, elle a changé, parce que j'avais une connaissance de l'Allemagne qui était celle de l'Allemagne de Bonn. L'Allemagne de Berlin est une autre Allemagne. C'est une Allemagne plus grande, plus vaste, plus diverse. C'est une Allemagne qui est la projection du projet européen. Bonn et Berlin, ce sont deux environnements très différents. Je pense que les défis sont très grands, mais que le fait que la capitale soit à Berlin permet de relever ces défis, parce que c'est la projection du projet européen vers nos partenaires européens qui nous ont rejoints dans les dernières adhésions. Et donc, j'ai vécu une Allemagne encore plus diverse que ce qu'on imagine. Ce qui m'a frappé, c'est que dans cette Allemagne, les particularismes locaux, la stimulation qui existe entre toutes ces villes, avec leur théâtre, avec leur salle de concert, avec leurs événements culturels, leurs musées, est quelque chose qui est très enrichissant. Je l'avais déjà vécu quand j'habitais à Bonn. Mais Bonn, c'était l'Allemagne moins accomplie. Là, on est dans une Allemagne où on retrouve une âme allemande que je croyais perdue et qui existe toujours. Et donc, quand je suis à Erfurt, ou quand je suis à Weimar, ou à Apolda, ou quand je suis à Stralsund, je trouve une Allemagne qui est aussi une Allemagne qu'on doit prendre en compte, qui fait partie de l'ensemble et qui apporte une contribution spirituelle absolument considérable. Avez-vous le sentiment d'avoir contribué comme ambassadeur à une meilleure connaissance, une meilleure compréhension de votre pays par les Allemands ? Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est aux Allemands de le dire. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais en m'appuyant sur les Allemands et je dois dire que j'ai trouvé toujours beaucoup de soutien. La célébration du 50e anniversaire de la signature du traité de l'Elysée a donné lieu à de nombreuses manifestations, mais la coopération franco-allemande prend la forme d'un travail et d'échanges quotidiens entre nos deux gouvernements, nos deux États. Le public français ou allemand s'en rend-il compte ? Je pense que le 50e anniversaire que vous citez a été une occasion pour beaucoup de réfléchir à nouveau à la signification de cet engagement franco-allemand par le général de Gaulle, par le chancelier Adenauer, sur la base de l'entente qui existait entre les hommes et les femmes, les citoyens et les citoyennes de nos deux pays. Et donc, je pense que cette base est une base qui va se poursuivre et qui devrait nous permettre de continuer à avoir un socle solide franco-allemand pour la construction de l'Europe. L'amitié franco-allemande est solide. Néanmoins, je voudrais savoir quel grand chantier reste, selon vous, à mener en matière de coopération franco-allemande. Le chantier est un chantier éternel, c'est le chantier de la connaissance de la culture de l'autre, de sa sensibilité, de son histoire, de sa mémoire, des émotions qui l'a structuré. Et là, je crois que l'apprentissage de la langue,
reste toujours le défi qu'il faut surmonter. C'est un défi de long terme, il faut le mener. Et c'est un défi de long terme qu'on ne peut mener qu'en ayant motivé ceux qui vont apprendre la langue. Et donc c'est par la culture qu'on va les motiver. Et c'est là où je reviens une fois de plus sur le rôle des acteurs culturels dans notre relation. La culture nous parle, la culture nous émeut. La culture allemande n'est pas étrangère aux Français, la culture française n'est pas étrangère aux Allemands. Nous nous connaissons déjà bien. Il faut trouver les moyens de nous motiver encore plus. Et quand on est motivé, on a envie d'en savoir plus. Et donc on apprend la langue. Voilà le défi, il est fondamentalement là. Évidemment, derrière, il y a la volonté politique de nos gouvernements de continuer à travailler ensemble au service de l'Europe. Mais là, je n'ai jamais eu aucun doute sur la volonté politique des gouvernements en France ou en Allemagne. Excellence, vous connaissez bien l'Allemagne, les Allemands et les spécificités de la vie politique chez nous. Quelles sont les différences les plus marquantes avec la vie politique en France ? En quelques mots, je pense que d'abord nos structures sont très différentes. Comme les structures fédérales et centralisées sont différentes, les processus de décision sont très différents. Et je crois que ce qui nous différencie, c'est la manière d'atteindre le consensus pour mettre en œuvre une décision politique. En Allemagne, tous les acteurs doivent prendre la parole les uns après les autres. Et ensuite, la décision est prise lorsqu'il y a eu ce long processus qui, pour nous Français, nécessite un peu de patience. En France, la décision est prise de haut en bas. Et c'est souvent dans l'exécution que se crée le consensus. C'est une autre manière de faire. Les Allemands planifient. Nous sommes plus dans l'improvisation. Mais comme nous sommes différents, nous nous complétons. Et j'ai toujours remarqué que les Français et les Allemands ensemble, ça peut donner des résultats magnifiques. Et ça donne souvent des résultats magnifiques. En France, il y a beaucoup d'élections, souvent en deux tours. Le débat électoral y est parfois plus animé que chez nous. Le site du Palais de l'Élysée appelle par exemple le citoyen à accompagner les conférences du président de la République par des tweets, par le hashtag ConfPR. Qu'est-ce que vous avez pu observer en Allemagne en ce qui concerne la participation des citoyens au débat politique ? Je crois que si nous avons, nous, notre manière de vivre la politique en France, les Allemands ont une manière très originale de la vivre, qui est cette participation permanente à des débats. Il y a toutes les associations, ici les Vereine de toute nature, les sociétés de réflexion sont très très nombreuses dans le pays. J'ai participé moi-même à beaucoup de discussions, Podium Diskussion, c'est une manière où le citoyen allemand s'engage, la décision politique mûrit par le débat des citoyens entre eux. Et ça, c'est très original, et ça fait de l'Allemagne une grande démocratie européenne, mais une grande démocratie dans le monde, et exemplaire à beaucoup d'égards. Je voudrais encore parler de l'histoire. L'Allemagne ne commémore pas le centenaire de la Grande Guerre avec le même éclat que la France, mais de nombreuses expositions se tiennent tout de même en Allemagne qui évoquent l'année 1914. Selon vous, pourquoi est-il important que nos élèves suivent ces commémorations, assistent à ces manifestations, visitent ces expositions suscitées par le centenaire ? Alors d'abord, nous sommes tous surpris et émus par le fait que l'Allemagne s'intéresse à la Première Guerre mondiale plus que nous ne l'imaginions. Il est certain, et nous le savions, et la mission du centenaire en France, qui avait été chargée d'étudier cela, avait bien senti que la Première Guerre mondiale correspondait à une sensibilité différente pour les Français et les Allemands. Parce que la deuxième a tout emporté, a tout détruit, et donc ça a profondément marqué. Le retour d'intérêt de nos partenaires allemands sur la Première Guerre mondiale, notamment à travers les souffrances des hommes dans les tranchées, est quelque chose qui nous rapproche. Et je l'ai vu à travers les expositions dont vous parlez, une centaine d'expositions, que je n'ai pas toutes visitées, mais j'en ai vu certaines. Je pense par exemple à cette exposition à Marbach, Krieg und Literatur, à laquelle j'ai assisté, entre la Bibliothèque nationale de Strasbourg, le centre des archives de la littérature de Marbach et le Bodleian Library d'Oxford. C'est tout à fait impressionnant de voir combien nous nous sommes retrouvés et combien nous retrouvons une sensibilité qui est identique. Donc, je crois que c'est aussi une manière de nous retrouver dans ce souvenir de la Première Guerre mondiale qui nous permet de voir le chemin parcouru depuis 100 ans, de voir les erreurs à éviter. Il y a ce livre, Les Schlafwandler, les somnambules de Christopher Clark, qui est très important. C'est une manière de représenter l'histoire. N'étions-nous pas tous des somnambules à cette époque ? Est-ce que nous sommes des somnambules aujourd'hui ? C'est toute la question qui se pose, c'est tout le défi. Et je crois que cette commémoration de la Première Guerre mondiale, de ses souffrances, de ses destructions, de ses retournements, nous amène à nous poser, Français et Allemands, et nos autres partenaires, et tous ceux qui ont été impliqués dans la guerre aussi, nous amène à poser des questions qui sont très très utiles pour
construire l'avenir. On rappelle toujours que la coopération franco-allemande est ou devrait rester un moteur de l'Europe. Pensez-vous que nos concitoyens de deux côtés du Rhin sont suffisamment conscients de l'importance de celle-ci ? Je pense qu'il faut, d'abord, sur le fait que la relation franco-allemande est le moteur de l'Europe, oui, elle le reste. On peut dire le moteur, on peut dire aussi l'attelage, Das Gespann, le tandem qui conduit l'Europe et qui est fait avec, je dirais, de forces différentes. Les deux, dans un attelage, il y a deux chevaux, mais il peut y avoir un cheval et un autre animal. Il peut y avoir des animaux différents. Donc on tire. L'essentiel, c'est de tirer dans la même direction. Je pense que nous sommes toujours à même de pouvoir mener, en tant que force franco-allemande, par la masse critique que nous représentons. 47% de l'économie de la zone euro est franco-allemande. 40% de l'économie dans la zone du marché unique européen, 40% est franco-allemand. Donc nous avons la capacité, si nous avons la volonté politique de le faire, de faire avancer l'Europe. Il existe de nombreuses initiatives en faveur de l'enseignement du français en Allemagne, comme pour l'enseignement de l'allemand en France. Êtes-vous satisfait des résultats ? Je pense qu'on peut toujours faire mieux, évidemment. Nous avons réussi depuis une dizaine d'années à stabiliser l'enseignement des langues dans les deux pays. 15% des élèves français apprennent l'allemand, 20% des élèves allemands apprennent le français. Il faudrait faire beaucoup mieux et beaucoup plus. Donc je pense qu'il faudra un jour réfléchir aux moyens de donner des incitations, des bonus, à ceux qui apprennent cette langue du voisin. Apprendre le français, apprendre l'allemand, c'est difficile, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'efforts, et aujourd'hui on n'a souvent pas le temps de faire des efforts. Et donc il faut pouvoir donner un encouragement, et je crois que ce qui est fait mérite d'aller de l'avant. Il y a également les programmes, je pense que le livre d'histoire franco-allemand, que vous connaissez bien, est quelque chose qui mériterait d'être remis à l'honneur, alors sous forme d'un livre papier, sous forme d'un livre numérique, mais le livre franco-allemand, c'est une performance historique extraordinaire que d'être parvenu à le créer. Et donc là aussi, on aurait, je pense, en termes de motivation des jeunes Français et des jeunes Allemands, des choses à faire qui sont uniquement à exploiter parce qu'elles existent déjà. Aussi un moyen d'exploitation pour d'autres pays en crise. Et de surcroît, je pense que, et vous avez raison de le dire, la relation franco-allemande, quand on regarde le point de départ entre nos deux pays, qui se sont combattus tous les 30 ans depuis Louis XIV, deux pays qui avaient mis des armées sur le Rhin jusqu'en 1990. Aujourd'hui, nous avons la brigade franco-allemande entre nos deux pays. Eh bien, aujourd'hui, il est temps de continuer à aller de l'avant avec tous ces moyens qui sont à notre disposition. Vous avez beaucoup voyagé en Allemagne. Est-ce que le regard des Allemands sur la France correspond à la réalité ou avez-vous constaté des appréhensions injustifiées ? Je pense que les Allemands ont sur nous un regard généralement bienveillant, généralement ouvert, curieux, intéressé. Je pense qu'il y a des clichés, naturellement, qui existent. Nous avons toujours nos clichés. Mais les clichés, il y a les méchants clichés, il y a les bons clichés qui peuvent être des portes d'entrée. Et donc moi, je pense qu'il faut cultiver les clichés, et dans certains cas. Et donc, j'ai constaté de la part des Allemands souvent un intérêt pour la France, une inquiétude parfois sur la capacité que nous avons à évoluer à leur côté. Mais je crois que chacun a ses difficultés, chacun a ses défis. L'essentiel, c'est de continuer à se parler. Et je n'ai jamais vu une porte qui se fermait ou un esprit, un cerveau qui se fermait quand on parlait de la France. Bien au contraire, je crois qu'il y a cette affinité franco-allemande qui est très forte, qui est marquée par l'histoire, qui est marquée par l'histoire ancienne, qui est marquée par l'histoire moderne, qui est plus positive, très positive. Et donc je suis très très confiant dans ce regard porté l'un sur l'autre. Excellence, vous allez très prochainement partir en Chine. Une fois que vous aurez quitté l'Allemagne, qu'est-ce qui vous manquera ? Ah, il me manquera ce que j'aime particulièrement en Allemagne, qui est die Kneipe und die Gemütlichkeit mit den Gesellen, mit den Freunden, mit den Kumpeln. Ça, c'est important. Donc cette intimité, cette chaleur qu'on trouve tard le soir, lorsqu'on se laisse aller un petit peu, qu'on échange ses sentiments, la façon dont on vit, la façon dont on pense. Ça, ce sont des choses très très particulières en Allemagne. Il y a une grande chaleur affective en Allemagne. Et quand on a la chance de pouvoir en profiter, grâce aux amis qu'on a pu trouver, aux relations qu'on s'est faites, ça c'est une grande chance pour un Français que de pouvoir vivre dans ces conditions en Allemagne. Merci, Excellence. Merci.